l'équipe de Barcelone sur leurs 4 affrontements cette saison avait gagné 3 fois. Et ben le Real gagne le match. Oh, l'humiliation suprême pour terminer. Oh là là là. Et le panier de Mario Hezonja, c'est fini, rideau. Trazel. C'est bien. Makundu. Oh, la gifle duel de jeunes entre Makundu et Nagy. Ouais. Là, Makundu, il a trouvé à qui parler au niveau qualité athlétique. Chacho Rodriguez face à World Cup. Chacho, oh là là, magnifique, magnifique séquence. Ah, ah là là, Fabulous Fab Forever. Mais c'est pas possible, Fabien Causeur. Et Chacho Rodriguez, David, qui drive, qui a le lay-up. Mais ce garçon sait que son Fabinho de Brest vient de mettre une bombinette et que c'est un joueur des finales. Et alors il skip à l'opposé. Chacho Rodriguez. Chacho. Oh, la passe! La passe merveilleuse de Chacho Rodriguez pour Walter Tavares. La chance de Chacho. Oh là 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 là. Là, la Sergi Martinez qui est sur le terrain. Encore un aller-oop. Encore. Oh, James Nagy! Ils s'entendent à merveille, les deux. Avec le backpick de Kovic, hein, qui n'a pas du tout été communiqué avec Jordan Lloyd. Donc, du coup, Dante Hall, il s'est pris un écran dans le dos, il n'a rien vu venir. Le dernier ballon d'Olympiakos. Attention, il peut mettre dedans à 10 mètres. Hein. Peut mettre dedans à 10 mètres. Hein. Et oui, il le met ! Oh non ! Et en plus, avec le KO. Et avec le KO en plus. Yanoulis arrête sa crise. Un cauchemar jusqu'au bout. Un cauchemar. Et Alpha Diallo, il est trop bas. Sur ce côté, il porte toute l'année. Il a vu ce garçon mettre des tirs à 10 mètres. Il doit monter. Il ne peut pas percuter l'Arensakis. Mirotic, c'est pas un joueur clutch. Ça l'a jamais été. Et là, il est en train de le prouver encore une fois. La Provitola, ça roule sur le cercle. Ça retombe dans les... Le contre de Tavares. Le contre de Tavares sur Yann Vezeli. C'est incroyable. Alors, pour nuancer les propos par rapport à Mirotić, c'est un grand joueur. Quel compte de Tavares. Yoko Baitis, en l'air, James Nagy, les deux jeunes, les pépites. Le système a fonctionné, c'est exactement ce qu'il a demandé. À James Nagy de splitter le screen. Qui revient aux affaires, Sergio Llull. 10 secondes, c'est l'homme des shoot buzzer. Sergio Llull. Sergio Llull. C'est pas possible, c'est incroyable. Il le met. Oh là là. C'est incroyable. Il a fait ça toute sa vie. Il a fait ça toute sa vie. Et il continue sur cette finale d'Euroleague. Pour prendre ce tir, il voulait forcément jouer un pick and roll, être défendu par Mousse, qui avait décidé de switcher. Il envoie un rainbow shot et ça tombe dedans. Et c'est fou, mais l'histoire, il la réécrit saison après saison. Le Real Madrid a pris l'avantage. Pour de mémoire, la première fois de ce quatrième carton, la première fois de la deuxième mi-temps, il me semble.